j'espère que vous allez bien. Je souris seul. Merci d'être là encore une fois pour cette vidéo. Et on n'oublie pas toutes ces personnes qui nous ont souhaité joyeuse fête de Noël. Nous vous disons merci beaucoup parce que nous avons envoyé beaucoup de cœurs. Et nous, on vous renvoie encore ces cœurs à l'infini. Et on espère que vous avez reçu plein de cadeaux. Et toutes ces personnes que vous avez donné aussi. Oui. Voilà. Que vous avez donné et précisément cette personne qui voulait la clé d'une Porsche sous le sapin. J'espère qu'à Noël, la prochaine fois, il faudra que tu nous fasses faire un tour dans ta Porsche. Comme on le dit à chaque fois, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager au maximum cette vidéo et les autres aussi, pourquoi pas. Et à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des messages, à nous suivre sur Instagram. Et surtout partager, partager, on en a besoin, on a besoin que vous nous donniez plus de force. Parce qu'on se dit, si vous aimez, profitez aussi. Faites profiter. Voilà, faites profiter, pardon, aux autres. Notre année 2019. Bien évidemment, on est à la fin de l'année 2019. Et c'est vrai que pour vous qui nous suivez, donc, vous avez commencé à nous suivre juste en fin d'année 2019, c'est à partir de novembre 2019 que vous avez commencé à nous suivre. Donc, il faut savoir qu'en début d'année 2019, on était rentré dans en pleine joie d'avoir cette chance d'être encore en vie et de pouvoir croquer la vie à pleines dents. Donc, notre année 2019, comme toutes les autres années, il y a eu des hauts et des bas. On va commencer par... On commence par quoi? Les bonnes choses. Parce que nous, on aime les bonnes choses. Ouais. Donc, cette année 2019 a franchement été une année pour nous, une année pleine de joie. Ouais. Pleine de joie, de bénédiction, franchement de beaucoup de choses. Ouais. En commençant par... la grossesse. Bien évidemment, la grossesse, on ne s'y attendait pas. Du tout. Et c'est venu et on était choqués, on va pas mentir, on était choqués. Ouais. Et on se disait, nous... comment on va faire? Comment on va se sortir? Devenir parents, comment est-ce qu'on va faire? Et vu qu'on est seul et tout, mais on s'est dit que si on a pu s'en sortir sur beaucoup de choses, c'est vrai qu'un enfant, c'est une autre personne, mais... On va s'en sortir. C'est une grande responsabilité. Et on a accepté. Aujourd'hui, on est très, 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 très content et très heureux. Ouais. Franchement, c'est l'une des merveilles de 2019 pour nous. Franchement, c'est gravé, quoi. 2019 sera... Et ça a été une joie pour aussi nos parents qui ne savaient pas, qui ne s'attendaient pas à être grands-parents. Et c'était vraiment l'une des plus... Des belles choses. De 2019. Donc après ça, il y a quoi? Y a les fiançailles. Les fiançailles. Oui, j'ai fait une surprise à madame. Oui. Que je n'oublierai jamais. Jamais. Franchement, les fiançailles, vous savez, dans la vie, quand on dit qu'il y a une chose appelle une autre, franchement, la grossesse a été un déclic. Hein. Pas pour vous dire que si elle n'était pas enceinte, je n'allais pas lui demander. La main, je n'ai pas fait les fiançailles parce que bien avant cette année, je crois 2-3 ans, déjà en 2016, je faisais savoir comment je voulais demander la main, mais le temps n'était pas encore là. Mais la grossesse a été l'élément déclencheur. Et franchement, ça a été avec nos amis, avec toutes ces personnes qui nous ont aidés à organiser. Qui m'ont aidé surtout à organiser ce truc. Moi, je vous fais plein de bisous. Des gros bisous surtout à Gaëlle Adzo qui a été celle qui a imaginé et qui m'a accompagné franchement sur l'événement. Gros bisous à toi. Donc tu as fait partie aussi de notre grande joie. Ouais. On nous accompagne là-dessus. Le petit pleurait, donc je crois que vous allez remarquer. Et il avait faim, donc madame était obligée d'aller. Il a à manger. Donc voilà, donc pour les fiançailles, comme on le disait. Et après cet événement, bien avoir avec tout ça, il y a eu aussi le taf.
le taf, le travail, la remise de diplôme. Et la remise de diplôme de madame. Donc, c'était des moments de joie. Ouais. Beaucoup de joie. Ouais. Et le bon moment, le plus grand moment de joie, c'était la naissance du bébé. Franchement, wow. C'était... franchement, il faut le vivre pour comprendre. Pour comprendre, hein, franchement. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo où on vous racontera comment on a su vivre cette grossesse rien qu'à deux. Exactement. Parce qu'on n'a pas eu de famille du tout à nos côtés. On n'a même pas de famille. On n'a même pas de famille actuellement. On gère. On va vous faire une autre vidéo. Et si vous voulez qu'on vous raconte, donc vous dites en commentaire. Voilà. Si vous aimeriez bien qu'on vous raconte comment est-ce qu'on a vécu. Bon, comment on gère et tout. Avant la naissance, comment est-ce qu'on a géré, comment est-ce qu'on s'est organisé. Enfin bref. Ouais. Donc après ça, c'était notre dernier moment projet. De joie, c'était notre projet, notre chaîne YouTube c'est ça. Qui a vu le jour en novembre. Non. Franchement, moi je me rappelle plus la date. C'était un projet qui était dans notre tête. Mais c'est un projet qui est venu tardivement. On va pas vous dire que c'était là depuis 10 ans, 15 ans. C'est un projet qui est venu tardivement. Très tardivement. On a hésité à se lancer et tout. Et finalement, on s'était dit, il y a eu un déclic aussi, on s'est dit, mais pourquoi hésiter en fait ? Pourquoi hésiter ? Pourquoi ne pas mener les actions ? Donc, si on mène l'action et que ça marche, tant mieux. C'est tant mieux. Si ça ne marche pas, on arrête, on sait très bien que c'est une chose. On aurait essayé. Voilà, on aurait essayé. On sait que voilà, notre rêve, on aurait essayé de réaliser une chose, ça n'a pas marché. Mais c'est aujourd'hui, grâce à vous, on est franchement à 100, plus de 100 abonnés. Et nous, on ne s'attendait pas à ça. C'est grâce à vous, on vous dit merci, merci, mais vraiment, ouais. Et vraiment, on espère que l'année qui va suivre, ça va être plus que ça. Ah, bien sûr, je le crois. Donc ça, c'était les hauts. Non, c'est ça. Après, les bas, voilà. Les bas, franchement, classiques. Les querelles. Les querelles, hein. Je pense que les gens pensent que nous deux, c'est... On ne se querelle jamais, on se prend jamais la tête. C'est pas ça du tout. Vous pouvez vous imaginer comment ça se passe entre elle et moi. Ça arrive qu'on fait, on est dans la même maison, on fait une semaine, on se parle on pas. On se parle pas. On boude. On se boude. Mais donc, après, ces gens de trucs, après, ça arrive, on grandit. Ça arrive. On grandit après, ces gens d'événements entre nous, ces gens de querelles. On grandit, hein, dans le savoir vivre ensemble. C'est ça. Et, c'est la communication en fait. Voilà, c'est la communication surtout. Nous, on prône beaucoup la communication. Ouais. Donc, pour l'année 2019, c'est ce qu'on a eu comme beaucoup de choses, comme tout couple. Hein. Ouais. Après, je ne sais pas, est-ce que tu penses à une chose qu'on a peut-être... Voilà, après les déceptions avec certaines personnes. Il y a eu un projet qu'on aurait voulu finaliser avant la fin de l'année 2019, mais qui n'a pas pu voir le jour malgré toutes nos tentatives. Donc, on se dit, c'est pas pour cette année, quoi. Donc, ça aussi, c'était une très, très grande déception. Oui. Et voilà, après ça, il y a des gens qui nous ont beaucoup qui nous ont déçus de par leurs attitudes, de par leurs paroles, de par leur manière de faire. Vous savez, souvent quand vous avez des gens, vous avez des personnes avec qui vous vous entendez bien et que ces personnes-là vous soient, ça fait mal. Hein, ça fait fois, mal. Quand tu as une confiance, ça fait mal. Monsieur, lui, le prend plus bien que moi parce que lui, il s'attend pas à grand chose venant des gens. Moi, j'attends beaucoup de choses. J'attends beaucoup de choses des gens et je pense que c'est ça que je dois changer en 2020. J'espère que ça. Je pense que des fois, il faut plus faire confiance en soi et attendre beaucoup de soi. Parce que quand tu veux une chose, si toi, tu ne te bats pas aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui veut se battre pour toi pour ça. Quoi. Donc, notre année, en gros, c'est notre année 2019. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de choses, mais je pense que l'année 2020 sera une année... Beaucoup mouvementé. Très, très mouvementé. On vous en dira plus quand même. Vous allez le savoir au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure, vous allez le savoir. Voilà 2020 qui approche à très, très grands pas, si dans 2-3 jours. Dans 2-3 jours, hein. Ouais. Donc, ça dépend de quel moment vous allez voir la vidéo. C'est hein. Ça, c'est ça aussi. Qu'est-ce que nous souhaitons pour nous-mêmes pour 2020? Et comme ça, à la fin de l'année 2020, vous allez me dire, est-ce que vous avez atteint cet objectif-là? Voilà. Qu'est-ce que nous souhaitons pour 2020? Classique. Le mariage. Le mariage, c'est l'un de notre
de nos grands projets. Nos grands projets qui nous tient à cœur, le mariage. Que Dieu nous prête vie. Et on laisse la main à Dieu de nous décider quand est-ce que le mariage se fera en 2020. Ouais. Donc c'est l'un de nos... De nos principales souhaits. Et vous allez le savoir si on l'a réalisé ou pas. Ou pas. Ça, je pense que vous allez le voir, vous allez vous-même approuver. Ouais. Alors, classique aussi, on a les santé, joie. Ça, c'est classique. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite. Hein. Ouais. Santé, moins de problèmes et beaucoup de bons choses, beaucoup de bénédictions. Ouais. Mais à part cela, la concrétisation de nos projets surtout. On ne va pas rentrer dans les détails, vous en saurez plus. Au fur et à mesure que les jalons vont se poser, que les actions se feront voir. Voilà, donc nous, dans notre CCM, voilà, mener plus d'actions sur nos projets, nos rêves. Parce que le projet, ce sont nos rêves. Ouais. Nos projets, c'est des choses que nous devons nous battre pour que ça puisse, pour que ces projets puissent voir le jour. Parce que personne ne le fera à notre place. Et si on n'accepte pas de réaliser nos projets, une autre personne réalisera les projets et nous, on sera juste là pour regarder. Ou peut-être on sera employé dans ce projet et travailler pour quelqu'un d'autre sur un projet sur lequel on rêvait. Donc, vaut mieux que nous-mêmes, on passe à l'action pour pouvoir réaliser ces projets. Si ça marche. Voilà. Et notre deuxième projet, c'est notre chaîne YouTube. Oui. Avoir plus d'abonnés. Impacter positivement des gens. Franchement, nous, c'est notre souhait. Impacter positivement par nos vidéos. Ouais. Que ce soit des vidéos de joie, des vidéos où on parle des sujets d'actualité. C'est vrai que pour le moment, vous n'avez pas encore vu les sujets vraiment pertinents. Certes, on a des sujets pertinents. Ce n'est pas vous dire que ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est pertinent. Moi, je trouve qu'on a des sujets pertinents. Très, très, très pertinents. On espère que qu'on continuera dans la bonne voie. Exactement, ce qui vous permettra d'aimer encore plus de vidéos. Ouais. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que vous nous accompagniez. C'est ça. Comme vous le faites. C'est ça, parce et que... Et beaucoup partagez. Parce que si sans vous, en fait, on n'est rien. Je m'adresse principalement à nos compatriotes togolais. C'est à vous de nous donner la force. C'est vous qui allez nous donner la force. Et de par vous, les autres verront et les autres apprécieront. C'est ça. Voilà, nous, on a juste besoin de vous. Que vous continuez de nous donner de la force, vous continuez à partager. Et moi, je me dis encore une fois, ça ne sert à rien de liker une vidéo et de ne pas partager. Partager, franchement. En mon sens, si tu aimes un truc, tu partages. Tu partages pour qu'une autre personne aime, et ainsi de suite. C'est comme ça que tu apportes aussi ta pierre à l'édifice. Quoi. Voilà. Donc, comme vous le retenez, c'est nos grands points de projet, c'est le mariage. Le mariage. Retourner à nommer. Oui, c'est un projet également. Et rentrer au pays. Donc, moi, je parle précisément. Ça, c'est un projet, je suis sûr qu'on va le faire. Retourner au pays parce qu'on sait d'où on vient, il faut retourner chez soi. Ouais. Donc, le mariage, plus d'abonnés de par vous et la concrétisation de nos projets et de nos rêves. Ouais. Ça, ce sont les vœux que nous souhaitons pour nous-mêmes. Ouais. Et on espère que vous allez nous accompagner sur. Ces vœux-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur souhaite à eux? Alors là, on est sur nos vœux pour vous. Pour vous. Franchement. Déjà, franchement, on vous aime tous. Ah oui, ça c'est sûr. On vous aime tous parce que d'amour pour vous. Nous, on sait que vous nous aimez. c'est sûr. Hein? C'est réciproque. Il faut que ça soit réciproque. Si c'est pas réciproque, ça ne sert à rien. Rien. Ouais. Nos vœux pour vous. Nos vœux pour la vous. Santé. Nos vœux pour vous. La santé. La santé. Franchement. Avant toute chose, la santé. Que vous soyez croyant ou pas. Ou pas croyant, nous, franchement. On prie Dieu. Que sa main soit toujours sur vous. Peu importe ce que vous allez faire, que sa main soit sur vous. La santé, c'est très important. Et notre plus grand rêve, notre plus grand souhait pour vous, c'est que vous arrivez à l'action. À passer à l'action pour réaliser vos projets et vos rêves. Franchement, n'écoutez surtout pas ceux qui vous disent non, ton rêve il est trop banal ou bien il est trop grand que tu ne peux pas réaliser ça. Non, pas du tout. Et si vous sentez que vous n'avez pas cette force-là ou bien cette capacité de passer à l'action par vous-même, c'est sûr que dans votre entourage, sur vos réseaux sociaux,
les personnes que vous côtoyez, il y a forcément une personne qui peut vous aider à atteindre votre objectif. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Voilà, aller vers cette personne-là pour vous faire aider. Les plus grandes personnes qui ont réalisé des grands projets, la plupart des gens, ce n'est pas des gens qui s'y connaissent. Non, pas c'est des gens qui avaient des grands rêves et qui ont su s'entourer de personnes qui ont su de se faire accompagner et qui ont pu réaliser les rêves. Un leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tout. Ah, un leader, c'est quelqu'un qui sait, qui a le mindset, qui sait où il s'en va, qui a un but. Donc moi, ce que je vous dis, je souhaite pour vous, c'est que cette année 2020, si tu as un rêve à réaliser et que tu hésites, que cette année 2020, à partir du 1er janvier, janvier 2020, que tu te dises que en décembre, le 31 décembre 2020, je dois me dire tu dois avoir réalisé ton rêve ou tu es dans cette lancée. Voilà. Comprenez? Ouais. Ne vous arrêtez pas au discours des gens. Les gens qui disent que non, ton rêve est trop grand. Ou mais bien après, trop, ton rêve, c'est pas trop ça. Trop, les gens qui te font justement voir les inconvénients. C'est des personnes qui n'ont pas de rêve elles-mêmes. Voilà. Il ne faut pas vous laisser prendre par les sentiments par rapport à ces personnes-là. Il faut juste vous dire que certes, il y a dans tout projet, dans tout rêve, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Il faut vous dire que vous allez surpasser ça et pouvoir réaliser. Après, si vous menez les actions et que vous arrivez, ça n'aboutit pas, il faut juste vous dire que peut-être qu'il y a une partie qui n'a pas marché ou peut-être que ce n'était pas une chose qui devait marcher pour vous et vous passez à autre chose. L'essentiel, c'est de pouvoir passer à l'action et pouvoir vous dire que de votre vécu, vous avez quand même essayé de mettre une chose en place pour arriver à atteindre vos objectifs. Franchement, c'est tout ce que nous souhaitons pour vous. Et aussi une chose, si vous avez des questions sur des projets que vous voulez mener et vous savez pas concrètement, vous n'avez pas concrètement de réponse ou bien vous savez pas comment faire, on est là également pour vous aider. Si on a des solutions, bien des pistes à vous conseiller, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur Instagram, à nous envoyer des trucs. Surtout, monsieur, il a ce truc-là pour accompagner les gens, pour aider les gens à avoir des idées, des trucs comme ça. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez franchement pas. Moi, envoyez-moi envoyez des messages et moi, si je suis disponible, moi, je réponds. Voilà. Hein, pas si c'est un point sur lequel il peut gérer, il va vous accompagner. Si je ne peux pas, je vous dirai, je peux vous envoyer vers une personne qui pourra vous. Et si c'est moi qui peux, c'est tant mieux quoi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut plus vous limiter. En fait, il faut être ouvert un peu par rapport à cela. Il ne faut plus vous limiter au fait à vos amis ou à votre famille. Ouais. Des fois, c'est la famille ne vous aidera pas. Hein. Des fois, c'est des personnes externes. Externes, des personnes que vous ne connaissez même pas. Exactement. Qui peuvent. Des personnes que vous ne connaissez même pas et qui peuvent vous sortir ou vous donner des solutions. Donc, n'hésitez pas à demander. Celui qui demande, c'est pas une faiblesse de demander. Celui qui demande, bien au contraire, c'est quelqu'un qui cherche à connaître. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à une personne si vous avez un besoin par rapport à votre projet pour réaliser. En gros, voilà, c'est ça. Donc, c'est tout ce que nous vous souhaitons pour cette année. Passez à l'action. Que vos rêves deviennent réalité. Mettez-vous des objectifs et faites tout pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. Voilà. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo et nous espérons que tout ce que nous avons raconté vous aura touché. Et tous les vœux que nous avons fait à votre égard apportera un petit plus dans votre vie pour cette nouvelle année. Voilà, et on vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020. Ouais. Et on se retrouve en 2020 pour de nouvelles aventures. Bisous. Ciao.